Mais le plus important, je n'ai pas l'impression que c'est un café débat. Quand j'ai lu un café débat, c'est-à-dire qu'on est au milieu et là vous êtes dans, dans une position, si je m'autorise, hein, que je sais qu'il y a des têtes ici assez, et toutes certainement, plein de potentiel pour faire le lien avec le développement personnel. Et là on est dans une... C'est quoi la situation ici? C'est juste une provocation. Hein? Et c'est quoi l'UFCEN? Vous êtes encore des consommateurs, hein? Donnez, mais ça consomme. Alors, je vais prendre votre place, je vais me présenter. C'est quoi le développement personnel? Ça vous dit rien? Ça vous intéresse ou pas? Est-ce qu'elle est critiquable ou pas? Je fais pas de, je fais pas encore dans le coaching. Je coach les coachs, mais je fais pas du coaching. C'est quoi le développement personnel? Ça vous intéresse pas, franchement? Bien. Donc finalement, si ici on essaye de vous vendre que c'est pas intéressant, ça va vous intéresser quand même. Donc vous avez déjà une opinion. Partagez-la avec nous. Tout simplement. C'est possible? Je prends le micro. Ce débat, il va commencer comme ça, si c'est possible. Alors ceux qui sont pour, comme ça, on aura une matière. Sinon, on va vous raconter des histoires, ça ne va pas être intéressant. Alors... ceux qui sont, enfin, ceux qui sont pour, c'est-à-dire ceux qui trouvent des aspects positifs. Si, après on va aller là. Vas-y, Daoud, t'es dans face de moi. Vas-y. Dans le cadre professionnel, tu en as fait. Et alors, vas-y. Est-ce que tu confirmes ce que disait Malik, que là, on a une caricature? Après, bon, là, sur les formes, c'est, je pense que ça s'adresse quand même à des certains publics. On est sur Facebook, les formats de vidéo, ils sont quand même... je dirais très formaté en fait, donc il faut que ça, c'est des punchlines quoi en fait, hein. Donc après vous avez aussi le discours soft, hein, en fait, hein. Le discours soft c'est celui qu'on trouve beaucoup dans les entreprises. Alors la question c'est pas d'être pour ou contre en fait, c'est comment je dirais on s'en sert et comment après bah, ça nous oriente vers, ça peut nous orienter vers un côté soit je dirais sombre si je puis dire, ou un côté effectivement peut-être où on se connaît un petit peu mieux et où ça peut effectivement nous aider aussi dans nos rapports avec les autres quoi, en fait. Après tout dépend encore une fois aussi de la méthode employée, tout dépend du coach, enfin il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte en fait. Voilà. Moi j'ai juste deux questions. La première question c'est, est-ce que ce qu'on a visionné est une caricature? Première question. Deuxième question, est-ce que... Non, c'est important, parce que peut-être des autres ne connaissent pas, ils doivent se dire, ouais, ben, ils nous ont... Et je pense que c'est une caricature, quand même, il y a des choses qui sont à l'excès, mais peut-être que non, hein, peut-être des fois le monde est plus terrible qu'on croit. Et deuxième point, c'est, personnellement, c'est du développement personnel, qu'est-ce que ça t'a réellement apporté quelque chose, tu as entendu, au-delà du côté professionnel, est-ce que ça t'a construit? Ça, c'est les deux points qu'on posera, les deux questions aux quatre personnes. Ça va bien. Construit, donc j'ai entendu jusque-là, mais ça apporte des éléments, je dirais, de connaissance sur soi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Donc, il y a réellement un côté pour toi, il y a un voilà, positif. Côté positif. Maintenant, après, le souci, c'est qu'on peut vite basculer sur le manipulatoire. Quoi, en fait. C'est ça le problème, parce qu'après, bah, vous avez accès à des outils, et ces outils-là, ben, comment vous les utilisez et comment ensuite après ben, vous orienter effectivement à votre façon d'être, votre façon d'interagir avec les autres en fait. C'est ça le... Et ça, c'était une caricature? Enfin, moi, j'ai pas rencontré ce type de... Pas voilà. Rencontré ça. La personne derrière? Ouais. Je dois répondre à quelle question au départ? Est-ce que ça t'a paru être une caricature? Alors, je m'excuse parce que j'ai eu un peu de retard en fait et j'ai pas vu les deux vidéos. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, toi j'ai vu, tu l'as fait dans un cadre communautaire, je crois. Si les deux, en fait. Les deux, ok. Je l'ai fait d'abord dans un cadre professionnel parce que j'avais monté ma structure et que j'avais besoin de la développer. Donc, je me suis mise en relation avec un coach professionnel. Et c'est vrai que j'avais évolué jusqu'à un certain temps. Et après, c'est vrai que j'avais besoin d'évoluer aussi ma personnalité pour aller plus loin dans mon entreprise. Et donc, j'ai basculé dans le coaching personnel. Et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de, on va dire, de facettes de ma personnalité dont j'étais ignorante. Et on va dire un potentiel aussi que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis, en fait, de mieux me connaître, de travailler sur mes défauts et de mieux exploiter mon potentiel.
Donc là, c'est vraiment positif comme, comme expérience. Alhamdulillah, ouais, très positif. D'accord. Et quelle heure, c'est juste une question, quelle heure était la limite justement à ne pas franchir si ça, si ça, ça aurait pu devenir négatif ou non? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a... Après, moi, c'est vrai que j'ai un esprit assez critique. Donc, je ne me laisse pas, on va dire, influencer ou manipuler. C'est très difficile parce qu'en vérité, on est tous manipulés. Moi, je pars de ce principe-là parce que c'est vrai qu'on peut même utiliser la religion pour faire des choses dans un intérêt personnel ou politique ou financier au nom de la religion. Et en fait, quelque part, on peut être manipulé même à travers un autre support. La limite, je pense que l'alhamdulillah est quand même décrétée par le Coran et la Sunna, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que pour l'instant, les coachs, la plupart, c'est des non-musulmans. Donc nous, on a quand même cette, on va dire, cette conscience en tant que musulmans du bien et du mal, qui n'est pas toujours de l'avis de notre interlocuteur. Bon, moi, alhamdulillah, j'ai connu quand même un très très bon coach qui était musulman, donc j'ai eu, on va dire, ce cadeau d'Allah, parce que c'est vrai que concilier les deux, je pense que ça peut être vraiment un point très très fort pour la communauté, et ça pourrait nous amener à aller loin. Après, c'est mon avis personnel. Ça pourrait être vraiment une source de réussite pour la communauté, alors. Complètement, moi, c'est mon avis personnel. D'accord. Alors, des formations dans la communauté, il y en a, c'est pas ce qui manque. Par contre, pour ce que j'ai pu voir, il y a énormément de personnes qui sont lancées dans la communauté musulmane sur le développement personnel, mais honnêtement, c'est catastrophique. On regarde... En quoi, par exemple? C'est catastrophique dans le sens où j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais on se contente de beaucoup de bricolage. Et on se contente de lancer des formations avec... très peu d'outils, alors que lorsqu'on va vers un institut où vraiment il y a des personnes qui se sont formées, qui se sont réellement formées dans ce domaine, qui ont des compétences très variées, et on se rend compte que le développement personnel, ça se fait pas en une formation de 2 ans, ça se fait pas comme ça, parce que finalement on engage aussi des personnes, quoi. Donc il y a une responsabilité énorme. Et plus on va dans des instituts, des formateurs qui ont un sacré bagage, plus ils ont énormément d'humilité. Et c'est souvent des personnes qui sont croyants, mais non musulmans ou non croyants. Malheureusement, moi, ce que j'ai vu autour de moi. Voilà. Donc ça contraste un peu avec la vidéo qu'on a vue. Ceux qui sont vraiment experts dans le domaine, ils sont humbles et ils savent s'y prendre avec les personnes qui... Ils sont très bienveillants dans l'approche, justement, du développement personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou pas? Il y avait une dernière personne, je pense. Ça y est, c'est tout? À vrai dire, je ne vous ai pas tout dit parce que je ne me suis pas présentée. Je suis coach en fait en développement personnel. D'accord. C'est pour ça que je suis venue, mais vous n'avez pas de publicité. Pas du tout, mais c'est vrai que comme on était parti sur des questions, je ne me suis pas présentée. Mais au départ, j'avais fait du coaching plus pour développer ma structure dans un premier temps et puis après pour mieux apprendre à me connaître. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'en ai fait mon métier. Et je ne travaille pas avec des musulmans, je travaille avec des non-musulmans d'un gros institut, l'un des plus grands de France en fait. Et c'est vrai que je rejoins la sœur qui parlait, il y a énormément de bienveillance. Et voilà, après c'est vrai que je ne prends pas tout, mais je trouve qu'il y a énormément de choses qu'on retrouve en fait dans notre religion, alhamdoulilah. Et comme disait le frère précédemment, je pense que le début du développement personnel, il s'est fait en fait avec la révélation divine, quand Allah il nous demande de travailler sur nous et d'essayer d'être, de nous perfectionner, d'être bon avec, déjà avec soi-même et puis avec les gens qui nous entourent, et d'améliorer notre relation avec Allah. Parce que c'est vrai que dans le développement personnel, on explique aussi que le plus haut niveau d'épanouissement, c'est une fois qu'en fait on
en fait, on atteint un niveau de spiritualité assez élevé où on prend du recul avec les choses qui nous arrivent. Parce qu'on parle de spiritualité dans ce cadre, même chez des non-croyants. Oui. Ils la conçoivent comment, eux, comme un détachement ou comme une prise de distance? C'est pas forcément prise de distance. En fait, la prise de distance, c'est une conséquence. Mais c'est plus le fait... Bah, après, chacun va mettre un mot différent dessus. Moi, mes formateurs, ils disent Dieu, mais ils ne sont pas musulmans. Mais il y en a beaucoup, par exemple, qui disent une intelligence supérieure, une force supérieure. Mais c'est vrai qu'on revient quand même sur des notions de spiritualité parce que c'est vrai que les gens les plus épanouis, après c'est des études scientifiques qui ont démontré que les gens les plus épanouis, c'est des gens qui croyaient en Dieu. Bah, justement, est-ce qu'ils s'en servent parce que c'est efficace ou parce qu'ils y croient vraiment? Parce qu'ils y croient vraiment. En tout cas, ceux avec qui j'ai travaillé, mais c'est vrai que j'ai côtoyé énormément de coachs. Je suis dans le milieu depuis 5 ans. D'accord. Et bah après, ils ne sont pas tous motivés par les mêmes choses, mais ceux avec qui j'ai travaillé, c'est ce que j'ai pu constater. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec eux. Donc, il y a des réelles potentialités pour, même pour la communauté, alors? Ben, je pense, parce qu'elle parlait de PNL, je suis praticienne aussi en PNL, et c'est vrai que par rapport à la gestion des émotions, j'ai trouvé que c'est très efficace. Par rapport à mon parcours, je suis rentrée dans la religion assez jeune, vers 13 ans à peu près, jusqu'à mes 23 ans, et je suis partie vivre en Arabie Saoudite et aux Émirats pendant 6 ans. Donc j'ai quand même pas mal baigné dans la religion, et c'est vrai qu'il y avait des questions, moi pour moi, après c'est mon parcours personnel, il y a des questions qui étaient restées sans réponse. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas les réponses dans la religion, je suis vraiment sincèrement persuadée qu'on peut tout trouver, mais c'est vrai que dans l'interprétation qu'on nous transmettait, il n'y avait pas vraiment des réponses pour les questions que je me posais. Et le développement personnel m'a énormément aidé et ça m'a éclairci, même d'un niveau religieux, sur certains aspects. C'est même une voie d'accès pour s'améliorer religieusement. Moi, après, c'est toujours mon avis personnel, je pense que oui. D'accord. C'est vraiment délicat, à la fois c'est intéressant, si on avait plus de temps, d'entendre tout le monde avec une certaine parité d'échange. Ce que je pense, au-delà du développement personnel, il faudrait qu'on s'interroge sur nous-mêmes. Le développement personnel en soi n'est pas une vraie problématique. C'est le public, et notamment le public de confession musulmane, qui rend le développement personnel problématique. Au moins sur deux aspects, avant de rentrer dans les définitions. D'abord parce que nous avons tous des carences, et on va chercher quelque part pour les combler ces carences. Et on a des charlatans aussi. Il y a des gens qui n'ont rien à voir. Parce que l'origine du développement personnel, pour prendre votre question, n'est pas uniquement un phénomène de mode. Il y a des études scientifiques. C'est comme si on va parler de la psychothérapie. Mais après, l'origine, elle est à la fois philosophique, elle est à la fois psychologique, au niveau de ce qu'on appelle la psychologie positive. Il y a eu des études très sérieuses. Mais les études sérieuses n'ont rien à voir forcément avec ce qu'on a vu. Deux choses. Alors si je prends le développement personnel comme un processus d'aide à une personne qui est bien dans sa tête, il faut voir que l'OMS, quand même, ils ont donné une définition de la santé mentale en 2004 qui ne s'appuie pas uniquement sur le fait qu'on n'est pas malade, mais qu'on a un bien-être. Le bien-être, il est lié aussi à une forme de vie occidentalisé, c'est-à-dire on a tout fait, et ben je veux être bien, je veux travailler moins, je veux m'épanouir. Donc là, la société crée un phénomène, un appel d'air. Mais le développement personnel pour quelqu'un qui est équilibré, qu'il soit musulman d'ailleurs ou non musulman, peut lui apporter un bien. Je ne sais pas pourquoi on fait une problématique de quelque chose qui peut nous aider. Mais moi j'ai envie d'interroger plutôt le public que nous sommes. Pourquoi ça fait tant de débats chez nous? Pourquoi ça crée un phénomène de mode? Pourquoi on va au gré des régions et on va trouver n'importe qui est devenu coach? Sans cibler personne. Hein, j'ai connu des coachs, j'ai des amis coachs, j'ai formé des coachs, j'ai débattu avec des coachs. Le développement personnel n'est pas uniquement une question de coaching. C'est aussi une capacité, c'est quelqu'un qui va mettre son savoir-faire
et un savoir-être, parce que la bienveillance est extrêmement importante. Si vous voulez des références, par exemple, pour ceux qui travaillent sur la psychothérapie ou la question du relationnel, Carl Rogers, qui est un Américain très connu, qui a posé les fondements de la relation d'aide, et là, on est dans la psychothérapie. Il parle de l'empathie. Vous pourrez trouver un imam empathique, comme vous pourrez trouver un frère ou une sœur qui vous tire la tronche. L'empathie n'est pas liée uniquement au registre de la psychothérapie ou du développement personnel. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc, maintenant, pour évacuer peut-être la question des définitions, on peut se dire que le développement personnel, modestement, peut servir, mais à qui? C'est là la question. C'est là la question. Et c'est là où on a besoin peut-être dans ce café débat, et au-delà, de déconstruire des représentations. Est-ce que c'est une libération ou une aliénation? C'est là la question. Si moi, je suis mal dans ma peau de par mon parcours de quartier, de familial, conjugal et autres, effectivement, je risque de tomber sur un gourou. Et je vais dire le développement personnel, c'est tout. Il y a une étude qui a été faite au niveau des hôpitaux qui s'interroge sur le phénomène du développement personnel. Et on s'est rendu compte qu'il y a 40 associations dans une région, Île-de-France, 40 associations qui font de la formation du développement personnel, mais qui sont cataloguées sur le registre sectaire. Donc c'est des sectes. Donc attention, on peut avoir une conception, une approche, une formation. Mais si le public qu'on a en face de nous est fragile, là on a tous nos propres fragilités, il y a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, pour moi, le développement personnel, en soi, c'est un outil comme les autres outils. À quel moment, et je vous pose la question, de notre vie doit intervenir éventuellement le développement personnel? Là est une des questions qu'on doit se poser. Dans un parcours personnel, dans un parcours professionnel, un autre élément de réponse, c'est que notre société a créé un phénomène de rendre tout scientifique. Donc, quel que soit votre secteur de travail, on va vous dire attention, il faut mettre de la distance, de la distanciation, tout est scientifique. Donc, qu'est-ce que je fais de mes émotions? On va vous dire, bah, vous allez vous inscrire dans un stage de développement personnel. Vous stressez à l'accueil d'une entreprise. Vous êtes manager, vous êtes, tiens, ça tombe bien, cohésion d'équipe, on va faire un week-end de développement personnel. C'est un outil, ça colle pour les uns, parce qu'ils avaient un manque sur des points. Nous, on n'est pas tous pareils, c'est là la richesse de l'humain. Et c'est là où, éventuellement, le degré spirituel peut intervenir. La personne qui a parlé, à la fois qui est coach et autre, on vous a posé la question sur la question de la transcendance ou de la spiritualité. Effectivement, il y a eu une étude qui a été faite en 2004 par Peterson et Seligman qui travaillent beaucoup sur ces questions-là et qui a montré qu'il y a 6 critères dans le bien-être, sans parler du développement personnel, dans la spiritualité. Et là, la spiritualité, ben, un bouddhiste va vous dire « je suis spirituel ». Et une des sectes, sans les nommer, sont tellement nombreuses, va vous dire « je suis sur une voie de spiritualité ». Nous, notre souci, c'est qu'on a tout, et comme on ne sait pas chercher, on n'a pas les clés d'ouverture de ce qu'on a, on va aller chercher ailleurs. Et le ailleurs, et je vais finir là-dessus pour passer la parole, peut être le développement personnel. Alors, imaginez le voyage. Vous allez voir quelqu'un pour faire du développement personnel, et par ricochet, vous allez vous rendre compte que, ah, tiens, ça, je l'ai dans ma religion. Mais la clé, peut-être, de la porte n'est pas la bonne. Donc quand je peux rentrer correctement par ma religion, je peux avoir une ouverture d'esprit, une capacité critique d'aller puiser dans ce qui peut m'apporter du bien. N'oubliez jamais ce hadith magnifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « La sagesse est le bien perdu du croyant, là où il la trouve, il la prend. » C'est un outil comme un autre. Maintenant, nous comme public, pourquoi cet outil nous titille? Oui, pourquoi ça nous titille? Et ce qui a été dit, c'est assez révélateur. En fin de compte, quand on parle du développement personnel, comme on aura pu parler d'autre chose, je ne suis pas d'accord avec Hakim, ça aurait pu être un autre thème, c'est toujours la même chose. En fin de compte, c'est révélateur de deux choses.
c'est révélateur de la manière dont on comprend l'islam, et c'est révélateur de la manière dont on ne comprend pas le monde. C'est ça le parce que se dire que si c'est un phénomène de masse, ou bien c'est un phénomène qui prend d'ampleur, pour pas dire de mode, hein, pour pas prendre position, c'est qu'il y a une réalité. Si les gens ont besoin d'empathie, ont besoin de bienveillance, ça veut dire qu'ils ne les trouvent pas dans les cadres traditionnels. Ça veut dire qu'ils ne les trouvent pas dans la famille. Ça veut dire qu'ils ne les trouvent pas dans un lien communautaire. Ça veut dire qu'ils ne les trouvent pas même dans la société civile en général. C'est-à-dire qu'actuellement, on vit dans une société où c'est ce besoin qu'on a, on ne les retrouve plus dans la vie de tous les jours, même dans notre propre famille. On peut critiquer le phénomène, et si le phénomène existe, c'est qu'il y a une demande. Et si cette demande-là, qui habituellement se faisait dans d'autres cadres, et que maintenant on est obligé de le professionnaliser, de le circonscrire, de le séparer du cadre familial, parce que c'est vraiment ça, c'est la séparation qu'on est en train de faire, séparer du cadre familial, séparer du cadre communautaire, séparer de la vie de tous les jours. C'est ça, c'est révélateur du monde dans lequel on vit. Deuxième point, c'est révélateur de la manière dont on comprend l'islam. Parce que à la fois, pour les deux positions extrêmes, la première position extrême qui considère que le développement personnel c'est la panacée, et l'autre position qui considère que c'est mauvais par essence. En vérité, parce que c'est vrai, c'est la confusion. La modernité, c'est l'individu. Le développement personnel, c'est un trait de la modernité. C'est ça. En fin de compte, c'est personnel. On trouve une solution individuelle pour la personne. On ne cherche pas une solution collective. On ne cherche pas à s'attaquer à la racine du mal. C'est exactement ça, le monde dans lequel on vit. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fabrique des voitures qui polluent, qui provoquent des cancers des poumons, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas qu'on va arrêter le diesel, parce que le diesel, c'est une catastrophe, surtout dans les villes. Qu'est-ce qu'on fait? On construit un grand hôpital contre le cancer. Et on développe. On ne s'attaque jamais aux causes des problèmes. Au contraire. Les problèmes créent des conséquences qui permettent de créer un autre... et ça devient du business. Et c'est pareil avec le développement personnel, c'est la même chose. C'est qu'on ne va pas avoir une réflexion, c'est pourquoi des choses qui sont tout à fait naturelles, la bienveillance, pourquoi on a besoin d'un cadre particulier? Pourquoi il faut des gens spécialistes? Pourquoi le fait de se connaître soi-même, qui est une base du cheminement spirituel? Non, c'est une base, connaître Dieu, il faut se connaître. Donc, comment se fait-il qu'on a besoin d'être assisté de manière, anonyme? Parce qu'être assisté, c'est normal. Mais être assisté d'une personne de confiance, d'un proche, d'une personne qu'on rencontre tous les jours. Mais de manière anonyme, et surtout dans un rapport marchand. Et c'est ça le problème. Dans un rapport marchand, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, on va marchandiser même la gestion de nos émotions. Et ça devient problématique. Dans la compréhension de l'islam, l'islam ne va pas nier l'individu. C'est ça le problème. Nous, on se trouve entre... On n'est pas dans le modèle clérical, médiéval, moyenâgeux, où le dogme s'impose, où les gens doivent s'exprimer à travers leur communauté, comme c'était le cas avant, où avant d'avoir une position, à l'époque c'était ça, avant d'avoir une position sur un sujet politique, on allait demander la permission au curé. C'était ça, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas une liberté dans la prise de position, il n'y avait pas une autonomie de la personne. Il n'y avait pas ça. Il y avait une imposition d'un clergé, etc. Et on est passé, après avec la révolution des Lumières, à un autre extrême, où l'individu, c'est lui l'essentiel. Ce qu'on appelle le primat de l'individu, c'est lui. Tout se concentre autour de ça. Tout se concentre autour de quoi? À un point tel où on devient une société dite individualiste, ou même égoïste, ou même anthropocentriste. C'est-à-dire que c'est l'homme. L'homme est que l'homme. Plus Dieu, l'homme, c'est l'homme qui est au centre. Et ça, ça cause un vrai problème pour nous en tant que musulmans. Surtout que nous, notre religion, elle est très communautaire, elle est très collective. On ne peut pas être seul, on ne peut pas 4 piliers sur 5 se faire de manière collective. Par contre, ce qu'on ne peut pas nier, parce que c'est à la fois on se rapproche et à la fois on se sépare. À la fois on se sépare de cette vision individualiste de l'homme, ou de la place, même la place de l'homme, qui est venu prendre la place de Dieu, même si à la fin, c'est plus l'homme qui est la place de Dieu, mais c'est la marchandise. Ça, c'est encore un autre sujet. L'homme est devenu objet, et puis il n'est plus sujet. Mais en islam, en fin de compte, la personne, elle est primordiale, comme dans la modernité. C'est-à-dire le fait de dire, non, mais nous, c'est pas vrai,
c'est on va tout retrouver dans les textes, etc. Et tout. Non, c'est pas ça. En islam, la personne, elle est primordiale. Ça fait qu'on se reconnaît dans des choses dans le développement personnel. Le premier pilier de l'islam, il est personnel. On ne dit pas « nous témoignons en Dieu », on dit « je témoigne en Dieu ». Le premier pas que vous faites vers Dieu, il est individuel. C'est un témoignage et c'est « je ». C'est le même « je » que Descartes, le « je pense, je suis ». Là, c'est « je témoigne ». Et ça, c'est important. C'est important parce que à la fois, on se rapproche de ce qui existe dans la modernité, mais à la fois, on se différencie. Parce que les quatre autres piliers, ils sont communautaires. Et rien ne peut se faire de manière personnelle après. Tout se fait de manière collective. Ça veut dire, je témoigne, mais ton témoignage, il se concrétise dans la communauté. Et dans l'action collective. Jamais de manière individuelle. Et il y a une nuance. Et souvent, dans ce type de nuance-là, on se confond. C'est pareil pour l'histoire de ce que disait la sœur. Toutes les réponses sont dans la religion. Mais dans la manière dont j'ai appris, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, hein, donc je synthétise, ou bien peut-être que je vais dans l'excès, mais j'ai trouvé des solutions en dehors de ma communauté et en dehors de ma religion, mais qui m'a ramené à des choses qui sont dans ma religion. Ça c'est problématique. Pas parce qu'elle a trouvé des choses en dehors de ça. C'est dans la manière dont elle le dit. Parce qu'en vérité, quand Dieu dit dans le Coran, Nour ala Nour, quand il dit lumière sur lumière, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une lumière intérieure, c'est pas faux. Ça veut dire que quand les gens font du développement personnel, bon, je parle pas des escrocs, je parle pas des, je parle pas de la branche d'Al-Qaïda du développement personnel, là, comme on a dit tout à l'heure. Mais il y a réellement des gens qui font un travail, qui font ressortir des choses qui sont impressionnantes et qu'on a en nous. Et c'est vrai. Mais ça, c'est un principe islamique, c'est pas une nouveauté. Dieu a mis en l'être humain quelque chose d'exceptionnel, tellement exceptionnel qu'il a demandé aux anges de se prosterner. Donc réellement, en l'homme, pas chez les musulmans, chez l'homme, croyant ou non, en l'homme, il y a une puissance phénoménale. On n'est pas encore arrivé même à la comprendre. On peut l'appeler l'innéité, on peut l'appeler la fitra, on peut l'appeler l'intériorité, etc. Et c'est pas, croyant ou non croyant, on peut la faire développer. On peut la développer, on peut la sortir, c'est vrai. Le problème, c'est la reconnaissance, c'est le shahada. Il y a ceux qui vont dire c'est l'homme, il y a ceux qui vont dire c'est Dieu. Ça vient de Dieu, c'est vrai. Il y a ceux qui vont confondre la lumière de Dieu et Dieu. Confondre la lumière de Dieu, parce qu'en nous, on a une lumière qui est d'origine, qui est d'essence divine. Mais c'est pas Dieu. Ceux qui considèrent les humanistes, ou les anthropocentristes, ils considèrent que c'est ça la référence. Quand on dit c'est ça la référence, ça veut dire c'est Dieu. Quand on dit, quand dans une société vous mettez quelque chose au centre, ça y est, vous êtes dans le marxisme, le fétichisme, etc. C'est déifié. C'est-à-dire, si vous dites que c'est ça qui est le centre de ma vie, c'est ça votre adoration. Parce qu'un corps ne peut pas rester sans adorer. Et ça n'existe. Le seul problème, c'est qu'en islam, il y a le lien. C'est-à-dire que on ne dit pas, premièrement, on n'a pas la prétention de dire que c'est l'homme. On dit c'est en l'homme, mais ça vient de Dieu. Et deuxièmement, ce qui est très important, on n'a pas la prétention de dire même cette lumière par elle-même, elle peut cheminer. On dit cette lumière pour cheminer, elle a besoin de la norme. Et la norme, c'est la révélation. Et ce n'est pas possible sans la révélation. Ça veut dire, par ton développement personnel, tu ne peux pas avoir un équilibre par toi-même. Ce n'est pas possible, c'est de la prétention. Il y a une limite, vrai. Même s'il y a quelque chose... C'est un débat, ça. Non, c'est... Dans la référence... Donc tu fais le gourou, là. Tu dis... Ah, non. Non, tu peux pas dire qu'on n'a pas besoin du Coran. C'est pas là. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord avec toi. C'est sur ça que je dis, moi. On peut pas dire qu'on n'a pas besoin de la révélation, autrement on n'aura pas le cycle prophétique. Parce qu'il y a deux solutions. Dieu, il nous dit, je suis là. Il nous dit, je suis là. Il nous dit... Pas d'intermédiaire. Ne passez par rien pour accéder à moi. Vous n'avez besoin de rien, d'absolument rien. Mais, dans sa toute bonté, dans sa générosité, il a mis tous les outils. Il nous a mis les outils. Premier outil qu'il a mis, c'est qu'il a mis sa lumière en nous. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de l'autre. La lumière, elle est en toi. Et ça, c'est un cadeau de Dieu.
Il a mis cette lumière en toi. Et il faut la faire sortir, cette lumière. La faire sortir, cette lumière, il faut prendre conscience. C'est quoi ta croix? Ta croix, c'est ça. Ta croix, c'est conscientiser. C'est faire sortir cette lumière-là et la mettre dans le niveau de la conscience. Et quand, faire en sorte que c'est ça qui te fait travailler, c'est ça qui te fait marcher, c'est ça qui te fait vivre. Et tu vis au nom de ça. Deuxième point, il nous a mis le cycle prophétique. Pour dire, il a posé un cadre. Et ce cadre-là, il nous le dit, il est révélé. Et sans la norme, on est perdu. Sans la norme, on est perdu. Et troisième point, il nous a mis ses signes dans la création elle-même. Pas seulement chez nous. Il nous a mis dans la création en disant, le Coran, je dis souvent, c'est le seul livre qui te dit que c'est la vérité, mais qui te dit, regarde ailleurs. C'est ça le Coran. C'est le livre qui te dit, je suis la vérité, je suis une lumière, et je suis un signe pour vous rappeler. Et il te dit, si tu veux comprendre, regarde ailleurs. Regarde même en dehors du livre, surtout en dehors. Regarde la création, regarde toi-même, regarde ton corps, et tu comprendras en quoi c'est. Donc c'est ces trois-là. Le problème de la modernité, bien sûr, c'est que, quand tu parlais, je suis trop long. Non, c'est pas grave. Je vais te reprendre sur un point. C'est pas intéressant. Charles. Je ne laisserai pas parler. Il ne sait pas faire le gourou. C'est un bon. Malheureusement. Non, mais des fois, j'y arrive. Et la sœur en disait, il y a des croyants, non-croyants, on parle pas de... Vous savez, ce qu'on appelle le déisme. Le déisme, c'est aussi un trait de la modernité. Souvent, on traduit l'époque moderne comme une époque, ou bien l'époque des Lumières, etc., comme une époque qui est anti-Dieu. C'est pas vrai. En grande partie, elle n'est pas anti-Dieu. Beaucoup de ces philosophes qui ont mis en place le système dans lequel on vit mettaient la question de Dieu au centre. Mais c'est pas notre conception de Dieu. C'est la conception d'un Dieu qui a créé et qui s'y met en retrait. Et qui a dit aux hommes, gérez maintenant, c'est à vous de gérer. Qui n'intervient pas. C'est souvent, et d'ailleurs c'est la vision de Dieu des francs-maçons. Hein, les francs-maçons c'est ça, hein, c'est le grand constructeur, il a construit. Hein, cette puissance-là, elle a construit. Et après, elle s'est mise en retrait. C'est un Dieu qui ne s'occupe pas de nous. C'est ça la vision, ce qu'on appelle le déisme, c'est ça. Et souvent, dans toutes les philosophies, les théories qu'on voit actuellement, et en particulier le développement personnel, parfois, on a cette vision-là. Ils ne sont pas anti-religieux, ils ne sont pas anti-Dieu, mais ils apportent une conception de Dieu qui peut être problématique à nous, mais pas de façon très claire. Par exemple, c'est la question de la réussite, même si c'est plus fin que ça, hein, c'est... vous savez, en islam, on est rempli de formules. Inch'Allah, Bismillah, etc. Vous savez, en islam, c'est ça. On est toujours, si Dieu veut, au nom de Dieu, louange à Dieu, etc. On est constamment, on est dans ces formules-là. Ces formules, en fin de compte, et les doigts aussi, toutes les doigts qu'on fait quand on rentre dans une maison, quand on sort d'une maison, quand on va à la mosquée, quand on sort de la mosquée, quand on va aux toilettes, etc. On est constamment, moi je me rappelais toujours quand j'avais fait un exposé chez les chrétiens, ils avaient étudié certains livres, et ils avaient dit, mais c'est pas possible, vous avez une invocation pour chaque... c'est plus une vie, quoi. C'est-à-dire, et effectivement, un musulman, il a une invocation pour tous les actes de la vie. Et en plus de ça, en dehors des invocations, il y a des rappels. Mais pourquoi? Parce qu'on est convaincu que Dieu est présent et que c'est lui qui fait. Et ça, on a du mal à comprendre. Parce que dire ça, ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire. Et c'est tout le problème de la pensée rationaliste. Dieu fait réellement. Nous ne faisons pas. Nous, Dieu nous demande de faire l'effort de faire. Mais c'est lui qui fait. Ça, développer ça, c'est problématique. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a succès, on ne le doit qu'à Dieu. Et quand il y a échec, c'est que Dieu l'a voulu. Et quand on dit c'est que Dieu, c'est pas du fatalisme. Dieu l'a voulu, parce qu'il y a eu échec. C'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu sait ce qui est mieux pour moi. Et ça, c'est autre chose que le déisme, que de dire, il y a Dieu, oui, il y a une puissance, il faut s'en référer, mais elle est loin, elle ne s'occupe pas de nous. Il est là, il s'occupe de nous, et c'est lui qui fait la réalité. C'est lui le vivant, c'est lui qui est là. Mais là, tu vas reprendre sur un élément, là où je te tiens un peu, je te rejoins sur une grande partie. Juste, il me semble, je pense que tu n'as pas eu le temps, parce que s'il y a le stress du temps, pour développer un point... pour éviter la confusion, en fait. Si on dit, si Dieu qui fait tout,
Ça, quand on a un haut degré de spiritualité. Or, le développement personnel, le sujet de ce soir, lié avec ce que vient de dire Yamine, s'adresse à un public large. On est combien là? 40, 50 personnes? Donc, c'est des gens qui se disent musulmans, mais qui ne voient pas d'inconvénient à aller voir un gourou ou quelqu'un d'intéressant au niveau du développement personnel. Donc on a besoin de faire comprendre aux gens qu'ils ont des responsabilités. Et qu'il n'est pas uniquement, on ne va pas se draper non plus dans la religion, il faut déconstruire aussi une chose, c'est que souvent, on a cette tendance à dire, c'est un discours facile, heureusement qu'on ne le rencontre pas ici, mais c'est un discours quand même qui existe dans la société, et au sein de notre communauté de foi, on a tout dans la religion, il y a les formules, il y a tout, Alhamdoulilah, Inch'Allah, on va tout régler. Au point que les dealers, maintenant, quand vous montez dans un métro, Astaghfirullah, Alhamdoulilah, Allah Akbar, tout va bien. Très bien, il nie pas Dieu. Mais dans son comportement, il fait le contraire de ce que Dieu lui demande. Cette schizophrénie est liée à des problématiques de société. On ne va pas les refaire au-delà de l'immigration et autres. Ce qui est intéressant à voir, il me semble, pour recentrer, c'est que, et là, le point que je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est là où je vais le préciser, on peut s'épanouir dans des étapes de sa vie en dehors de Dieu. Attention. Merci Dieu. Attends. Je vais préciser ma pensée. Nous sommes musulmans entre nous, ce discours, ce que vient de dire Yamine, je souscris totalement. Mais la réalité de la société, c'est qu'il y a des gens, vous allez les interroger, ils disent « oui, je suis bien ». Il n'est pas croyant. Hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis le summum de l'épanouissement, c'est dans la spiritualité. Le summum du bien-être, c'est dans la spiritualité. Mais il y a des sous-étapes où on peut être épanoui. Donc, moi j'ai besoin d'être le plus clair possible avec le public en disant, effectivement, vous allez rencontrer peut-être des étapes de votre vie où vous allez vous sentir bien. Moi je vous propose mieux d'être bien tout le temps, sans somnifère, sans Facebook, sans autre. C'est cette voie-là qui va vous rappeler à la fois la question de l'effort au quotidien, parce qu'on ne peut pas s'épanouir sans effort. Et un des travers du développement personnel, c'est qu'à un moment donné, on va vous mettre la pression, et comme tu l'as à juste titre rappelé, par un extérieur qui va réveiller des choses en vous. Et après, il fait quoi? Vous allez l'appeler. Vous avez des gens, des patrons d'entreprise, qui enchaînent les réunions et après, il appelle son coach à 3h du matin. J'ai un souci là. J'arrive plus. Il va le coacher à 3h du matin. Nous, tu te lèves, tu fais tes ablutions à 3h du matin, tu es au summum de la zone d'acceptation de ce que tu demandes. Et en même temps, tes frais. Une des choses qui est assez très subtile, c'est toujours de dire... Quand tu as dit à un moment donné, on ne peut pas s'épanouir en dehors de Dieu. On peut s'épanouir dans des étapes en dehors de Dieu. Ça ne veut pas dire que je prêche le fait de ne pas être croyant, mais vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas musulmans et qui sont épanouis. Voilà, il faudrait définir là, c'est extrêmement important, Yamine, parce que là, on est entre un public averti. Mais je sais que tu es. J'avais besoin que tu le. J'aurais un public de francs-maçons laïcs, sécularisés, tout ça. J'aurais dit la même chose. Oui, mais. Je l'aurais vu un plus fort. Non, mais c'est... Non, il ne s'agit pas d'un double discours. Il s'agit de reconnaître, et je défends ce point de vue, le fait de dire simplement qu'on peut s'épanouir dans des étapes de sa vie. Comme on peut s'épanouir en commençant à pratiquer, puis après, le goût mielleux de la foi. Mais ça, c'est pas épanouir, ça. Petit à petit, bien sûr. Le goût de la foi, c'est pas s'épanouir. Bien sûr. C'est là où il y a débat. Donc, on n'était pas d'accord. Non, s'épanouir, c'est quoi? Ah non, s'épanouir, c'est être dans, micro. Dans la voix. Le micro. C'est tout. Et être dans la voix, tu peux l'être dans des difficultés énormes. Tu peux être même dans des tensions internes qui peut te ravager. Et tu peux l'être aussi dans la planerie, dans le plan, etc. J'ai fait une prière toute la nuit, etc. Je me sens bien. Mais c'est pas ça. Moi, épanouir, c'est sentir profondément et sincèrement que Dieu, il m'agrée. Sentir, avoir ce sentiment-là. Et ce sentiment-là, ça peut être une personne qui a un fusil à la main, qui est en train de faire jihad, et qui est en train de souffrir parce qu'il voit des morts, il voit du sang, et il est obligé de tuer dans le contexte où il est. Ça peut être une personne qui fait le prière, ça peut être une personne qui est en train de vivre un drame familial, mais il reste droit dans le drame, et pourtant il est dans la tristesse, mais il est dans l'avènement de Dieu.
Pour moi, c'est pas. C'est, ça, c'est une vision moderne. Pour moi, c'est pas le fait d'être souriant ou d'être zen ou faire. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça, épanoui. Épanoui, c'est une personne où Dieu t'a mis dans une situation. T'es en Syrie et tu es dans une situation où tu tues ta famille. Et dans cette situation-là, tu es droit. Tu fais ce que tu penses être. Tu es en France. Tu es dans une situation, tu vis une situation familiale, c'est-à-dire à tout, tu divorces, tout ça et tout, mais dans ton divorce, tu le fais dans la droiture. Tu es jeune, tu n'es pas marié, etc. Pour moi, c'est ça l'épanouir. Il faut être vraiment précis sur les termes. L'épanouissement, ce n'est pas l'épanouissement du développement personnel. C'est l'épanouissement selon la référence islamique. Parce que selon la référence islamique, il n'y a pas de vie idéale. Il n'y a pas de famille idéale. Ça n'existe pas. Autrement, alors on aura un problème avec nos prophètes. Parce que tous nos prophètes, ce ne sont pas des familles qu'on considérait comme idéales. Parce que Abraham, son père, était un mécréant. Lot, c'était son épouse. Entre guillemets, on pourrait tous être des cassos. C'est vraiment. Alors, pourtant, ce sont nos exemples. Ces prophètes-là, ce sont nos références et nos exemples. Dans l'effort. Exactement. Pas dans la généalogie. C'est ça. Pourquoi ce sont nos exemples? Parce que dans la situation, lui, il avait sa femme qui ne croyait pas. Lui, il avait son mari qui ne croyait pas, qui était un tarout. Le plus grand des tarouts, fais la honte, tu ne peux pas faire plus. Tu vois? L'autre, il avait son fils qui refusait de lui obéir. Tu vois? Et bien, dans ces situations-là, il était zen. Il était. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention au regard extérieur. Pour moi, l'épanouissement, c'est pas lui, Inch'Allah, il est épanoui. Il n'y a que Dieu qui sait. Et il y a ton corps, au fond de toi-même, tu sais où tu l'en es. Mais on est d'accord, donc c'est pas étonnant. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ces deux interventions? Oui. Moi, je vais me faire parler du développement personnel comme quelque chose qui ne revenait pas à la source du problème. J'ai 30 minutes. Moi, de mon point de vue, de tout ce que j'ai pu étudier, j'ai fait pas mal d'instituts, enfin, je pourrais vous les détailler et passer un petit moment dessus. Pour moi, le développement personnel, comme je l'ai étudié depuis 5 ans, ça a toujours été revenir justement à la source du problème qu'on rencontre. Et c'est quoi la source pour vous? Bah, tout dépend du problème. D'accord, prenons n'importe quel problème. Un conflit, je ne sais pas. Prenez un problème que vous avez vécu et dites-moi c'est quoi la source pour vous. Ben là, par exemple, on va prendre celui du débat. Je pense qu'il est bien parce qu'il a généré en moi une émotion. Ouais. De frustration, pour être plus clair. Quand vous parliez de... Il y a un moment, vous avez énuméré un certain nombre de choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Et en tant que professionnelle de développement personnel, je me permets de parler du sujet. Parce que je pense que quand on peut émettre un avis critique sur un point, c'est qu'on a eu le temps d'étudier en profondeur le domaine. Et c'est vrai qu'il y a trois choses que vous avez dites concernant le développement personnel pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc on va revenir sur le premier point que je viens de vous énumérer. Vous avez parlé aussi de marchandiser la gestion des émotions. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le fait de marchandiser, mais je pense qu'on a grandi dans une société dans laquelle on ne nous a pas appris à prendre en considération nos émotions. Vous faites cette ville-là, vous ? Comment ? Vous le faites vis-à-vis-là ? Je l'ai fait pendant longtemps gratuitement, effectivement. Et maintenant, vous le faites comment ? Et maintenant, je me fais rémunérer à la hauteur des formations que je paye. Pourquoi est-ce que ça pose un souci ? Non, vous êtes dans le... Vous êtes dans, prendre le micro, Yannis. C'est normal, mais dans les sociétés traditionnelles, ou bien dans une référence qu'on pourrait dire normale, ça n'a jamais été rétribué. Quand on va voir, un conseiller, on va voir l'imam du quartier, j'ai un problème, il faut que tu m'expliques, etc. On ne lui demande pas, l'imam, il ne te demande pas la facture. Quand tu as un ami proche et tu lui demandes de t'accompagner parce qu'il y a un problème, il ne le fait pas. Oui, et quand le rapport marchand entre, ça modifie tout. Excusez-moi, on peut pas dire que c'est... Mais là, c'est un autre débat. Parce qu'on fait parler, on parle d'argent. Là, pourquoi on fait rémunérer? C'est pas pour escroquer les gens, pour profiter de la vulnérabilité des gens. Moi, quand je me suis fait coacher, j'ai toujours payé. J'estime qu'un professionnel dans un domaine, il mérite un salaire, d'une part. D'autre part, c'est vrai que c'est un manque dans notre société.
Donc si on veut combler ce manque, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient professionnels et qui puissent répondre à ces questions. Et quand on a consacré des années de sa vie à étudier dans un domaine et qu'on propose ses services, c'est normal que la moindre des choses, c'est qu'on ait un salaire. Après, c'est pas mettre des prix excessifs, mais quelque chose qui soit accessible à tout le monde et qui puisse être rentable en fonction de tout ce qu'on a pu, investir. Le troisième point, pour continuer, vous avez parlé de l'appel à la connaissance qui ramenait à un individualisme, contrairement à la religion qui se base plutôt sur une action communautaire. Non, collectif, excusez-moi. Non, la religion, elle est sur les deux. Elle est sur les deux à la fois. Mais moi aussi, je l'ai trouvé dans le développement personnel sur les deux. Mais en tout cas, ce qui m'a un peu heurté, c'est qu'à un moment, vous avez repris mes termes et que vous avez dit, la sœur, elle a eu faux. Ben, on reprend donc le premier point quand vous avez parlé du fait de travailler sur la base, le fait de dire que j'ai faux. C'est... Vous avez dit faux. Oui, la sœur, elle a eu faux, j'ai noté. Non, je pense, là, c'est... Prenez-le. Ouais. Je pense qu'il a dit aussi, au risque d'être excessif, il est dans l'excès de reprendre vos propos, la vision est fausse. Et on distingue deux choses dans ce débat-là, peut-être on ne l'a pas dit au préambule, on est dans un débat des idées, pas de personne, pas de sœurs ou de frères. Déjà, on était des êtres humains ici, au-delà de frères et sœurs, parce que je suis très, personnellement très exigeant sur cette notion qui mérite des débats de frères. Au nom de quoi on peut être frère? Au nom d'un lien que Dieu nous a fait, mais est-ce que dans mon comportement, je suis vraiment frère à toi? Je m'inquiète de toi. Je prends soin de toi. Je pense, c'est bien d'avoir un foisonnement d'idées comme ça, mais dire qu'on a tout dans la source, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, on est tous d'accord, les cheminements et les endroits par lesquels on peut y aller sont ouverts, parce que, encore une fois, comme il a rappelé Yamine, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Mais on peut se faire avoir, excusez-moi l'expression, par des méthodologies où on va croire que c'est la solution et on croit qu'on rentre consciemment comme croyant averti, critique, quel que soit notre domaine de travail, mais on se dit « Ah, j'ai trouvé ça là, qui n'existe pas là. » Et le travail qu'on essaye de dire, c'est effectivement, sans globalisation aliénante, ce qu'on a dans notre religion, si on fait un petit peu attention et si on est dans une pratique saine, nous donne toutes les clés de se développer, mais se développer au-delà d'une temporalité, d'un stage professionnel ou d'un stage parce que j'ai un problème avec mon mari ou mon enfant. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Autrement dit, si je m'autorise, autrement dit, on n'est pas là. On ne va pas ouvrir un cabinet de coaching demain ou on va en fermer un autre. C'est le boulot des préfets quand ils font ça. Je vous ai fait allusion à un travail très sérieux qui a été fait sur l'île de France, qui a démontré au niveau des hôpitaux qu'il y a des gens, des associations très connues, des gens compétents, mais qui utilisent le développement personnel, notamment des associations d'accompagnement des familles des mourants. Oh là là, c'est très, j'allais dire, crapuleux. Attention, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, sans leur donner carte blanche, font une étude qui montre qu'à des moments donnés, il y a des dérives sur des formations de développement personnel, c'est qu'il y a un risque. Le risque ne dit pas qu'il y a un intérêt positif. D'accord ? Moi, peut-être, je peux vous rejoindre sur une question qui doit être clarifiée sur la question de la rémunération. Comment on peut rémunérer un mécanicien ou un dentiste si quelqu'un produit ? Parce que je pense que là-dessus, Yamine peut-être va développer autrement son point de vue. On ne peut pas faire de l'aide. Un imam, il ne peut pas faire du développement personnel. Et on avait beaucoup de dégâts des imams quand ils essayaient de s'occuper des questions de séparation, de divorce, avec de la bonne volonté et avec une science. Mais à un moment donné, ils font appel à un autre professionnel. On peut développer une complémentarité d'intervention. Ce n'est pas gênant qu'on puisse, dans notre communauté, avoir des professionnels compétents. Non, ce n'est pas venir avec le label « mon frère, ma sœur ». Ça ne m'intéresse pas. Mon frère, ma sœur, je peux trouver un en Tchétchénie, mais pas ici. Hein. Je sais pas, je peux choquer. Mon frère et ma sœur, il y a des droits et des devoirs. Donc, si vous avez une compétence,
pas de souci. S'il n'y a pas de compétences et on va se draper dans une lecture communautaire pour se dire, on va faire un truc. Moi, j'ai été contacté par plusieurs trucs. Je vais sortir mon truc de coaching et tout ça. Est-ce que tu peux participer avec nous? Mais pourquoi? Pour donner un label? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, s'il y a un travail de réflexion, s'il y a des endroits, des espaces de parole comme ça, où on va refaire le monde, se repositionner. Vous savez, toujours après un débat, ce qui est intéressant, c'est de refaire le débat tout seul, ou avec son entourage, ou avec ceux qui n'ont pas pu participer ce soir, et d'enrichir, et de s'enrichir aussi. C'est aussi une voie de développer sa spiritualité. Pas seulement rester cantonné dans sa propre vision, il me semble, modestement. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir. C'est juste une précision par rapport à la PNL. Contrairement à la psychologie, la PNL est là pour donner des outils. Mais on ne traite pas du tout le source, la problématique en fait. On nous donne des outils pour aller mieux, pour avancer, pour gérer des émotions. Mais jamais on ne traite le problème à la source. Contrairement à la psychologie où derrière il y a vraiment un vrai travail qui prend des années. Mais la PNL n'est pas du tout là. En tout cas, moi qui ai fait une formation en PNL, et j'ai fait pas mal de formations en tant que praticienne, on nous a dit clairement, vous ne traitez jamais le problème, la source du problème. Vous êtes là, on nous donne en fait des outils pour justement accompagner des personnes en difficulté, et pour soi-même également, uniquement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris la PNL. C'est vrai que dans le développement personnel, il y a énormément d'outils. Il y a la PNL, il y a le coaching, l'Énagramme. Excusez-moi, chacun son tour, on va prendre la parole, parce que sinon... Je voulais juste donner mon témoignage, si je peux me permettre. Bien sûr. Juste par rapport à mon expérience personnelle que j'ai avec ce développement personnel. Je savais absolument, je découvre cette approche un peu communautaire, je découvre complètement. Moi, j'ai eu un contact avec ce développement personnel dans le cadre professionnel, et j'ai pu en mesurer les dérives et le danger, même, je dis. J'accompagne un public en difficulté, des jeunes notamment, qui sont en difficulté d'insertion professionnelle et pas sociale. Et là, on nous dit, ces jeunes, il faut absolument que vous les mettiez dans ces cases où ils vont réfléchir sur eux-mêmes, où on va les faire se développer, réfléchir sur eux-mêmes, aller chercher la force qu'ils ont en eux, etc., etc. Mais après réflexion, je me dis, mais bon sang, mais c'est tordu comme système, c'est pas possible. Le problème, il n'est pas là. Enfin, moi, je ne le vois pas là du tout. Il y a le développement personnel, je veux dire, il faut le mettre, il faut aller le proposer aux autorités ou à ceux qui sont peut-être force de proposition d'emploi, mais certainement pas à ces jeunes. À qui on propose ces solutions-là. Et moi, ça me gênait terriblement. Donc, je boycotte un peu, je ne les envoie pas sur ces étapes-là, parce que c'est tordu. Voilà. C'était juste que je voulais donner mon témoignage. C'était censé leur apporter quoi, eux ? Eh bien, tu dis, alors, il n'y a pas de travail. Et tu vas dire aux jeunes que s'ils ne trouvent pas de travail, c'est parce que ça ne va pas bien. Donc du coup, il a certainement des forces en lui, il a des ressources. Et puis, il faut absolument aller lui dire qu'il faut l'aider, le pauvre, à aller chercher ses ressources pour aller trouver du travail. Donc du coup, tu vas lui rendre une problématique qu'il n'avait pas du tout. Il va douter. Il va dire, si je ne trouve pas de travail, c'est parce que je ne suis pas en capacité. D'accord. Parce que je ne suis pas employable. Et parce que. Et tu évites la critique sociale. Et moi, ça me gêne. Voilà un petit peu, je voulais faire c'était mon témoignage. C'est extrêmement intéressant, d'autant plus que pendant qu'ils sont en stage ou dans ces formations-là, on fait baisser les chiffres du chômage. Bien sûr. Donc, c'est une instrumentalisation, c'est des stages parking. Voilà. C'est comme quand on poussait dans des quartiers et les jeunes, ils avaient besoin d'autre chose et on leur faisait des stages yoga. Donc, le mec, sa mère, elle va chez l'assistante sociale, ils n'ont rien à manger et puis j'ai des stages yoga. Bien. Oui. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Bon, on va faire tourner un peu le micro. Ce n'est pas toujours les mêmes qui Donc moi, je vais juste poser une question, c'est une question que je voulais poser avant qu'il y ait une réponse qui intervienne. Effectivement, il y a une carence.
est réellement en carence. C'est pour ça qu'on fait appel à ce système de développement personnel. Il y a une réelle carence, donc ça se transmettait, normalement ces soutiens-là se transmettaient par le sage du quartier ou le chef de famille ou un grand frère. Et effectivement, on n'a plus ces appuis-là. Et le développement personnel peut poser problème, il a ses limites, mais quelles sont les alternatives du coup? Aujourd'hui, on a un réel problème, on a des carences, on se retrouve dans les grandes villes, mais bien seul. Donc on n'a pas réellement des gens vers qui demander conseil, même si, alhamdoulilah, ces structures sont aussi des points de conseil. Voilà. Quelle est, alors, comment ne pas tomber dans des dérives, comme on peut entendre? Moi, je vais répondre parce que c'est toujours la même question. C'est que, vous savez, quand on disait, on ne va pas au fond du problème, la soeur nous disait qu'en PNL, c'est des outils, même la psychologie, c'est des outils. Même s'il y a un traitement, on ne va pas au fond du problème. Quand je parle du fond du problème, c'est exactement ce que Lila disait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment imagé le... Après, je vais te répondre. Elle a vraiment imagé ça. Ça veut dire qu'on te donne des techniques. Bon, là, c'est encore pire parce que ce n'est pas approprié. Et à côté, on t'évite de réfléchir sur un système qui ne produit pas de travail. Hein, parce qu'il ne produit pas de travail, parce que le chômage, il est structurel, hein, comme ils disent. Le chômage, il est inhérent au système, c'est pas un défaut du système. Le chômage, il est fait pour rester. Et qu'en plus de ça, les gens ne peuvent se reconnaître dans cette société qu'à travers le travail. C'est le travail qui fait qu'il y a une reconnaissance sociale. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance et d'équilibre. Et d'équilibre psychologique, le travail, maintenant. C'est devenu ça. Donc, le travail est le seul et le principal lien social. Et on est dans un système qui ne produit pas de travail pour certaines personnes. Ça, c'est un vrai problème. C'est le problème de fond. Après, tu as des gens qui sont perturbés, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le travail, c'est central. Ils n'en ont pas, ils n'en auront pas pendant 10 ans, 15 ans. Ou bien ils n'auront que du travail, comment on appelle ça? Précaire. Ça, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que, quand je parlais de fond, c'est ça. C'est-à-dire que on est dans un... Et ça, c'est tout le problème. C'est problématique. Parce que tu as une critique globale, générale, philosophique, et tu as des problèmes concrets, il faut donner des alternatives. Et souvent, on s'interdit à réfléchir globalement, parce qu'on dit, ouais, mais t'as pas d'alternative, pourquoi tu commences à nous raconter tes histoires? Parce qu'en vérité, il y a un vrai problème. Quand je parlais, moi je visais pas une personne qui fait bien son travail, que ce soit de la PNL ou que ce soit du développement personnel, qui le fait bien, et qu'elle soit rémunérée, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est pas ça le problème. Une personne. Moi, ce que je critique, c'est un système qui marchandise tout. C'est ça qui est problématique. C'est ça la problématique. Un système où le lien entre les humains sont basés sur l'argent. Ça, c'est problématique. Et nous, on est à la fois acteurs de ça et victimes de ça. Et personne ne pourra dire, moi je suis en dehors de ce système, non, c'est pas vrai. On est tous acteurs et victimes de ce système-là. Là où j'insiste, c'est prenons conscience de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter quand c'est bien fait, quand c'est réfléchi et quand c'est fait avec compétence. Bon, il n'y a aucun problème si ça peut aider les gens. Et il n'y a vraiment aucun problème, mais avec conscience. Parce que la conscience, c'est essentiel, la conscience, c'est fondamental en islam. C'est de la conscience que tout émergera. Et si on n'a pas d'alternative, ce n'est pas grave. Déjà, la conscience, c'est le début de l'alternative. Déjà, prenons conscience du problème. On ne peut pas vivre dans une société qui marchandise, qui nous met comme dans des rapports de consommateurs dans tout ce qu'on fait. Maintenant, même dans la bienveillance, on est consommateur. C'est impressionnant, quoi. Jusqu'où on va aller? Demain, le mari va se demander à être rémunéré parce que. Ou la femme va dire ouais, je t'ai fait un sourire, 25 euros. C'est impressionnant, quoi, maintenant. On va tout. Il est en avance, il a les tarifs. Hein. 25 euros, sourire. Ça, c'est pas trop beau. Non, mais c'est. Je ne pas. Hein. Mais c'est de ça. Et le fond du problème, il est là, le fond du problème. On vit dans une société qui détruit le lien. L'islam, c'est la religion du lien. L'islam veut tout ramener. Parce que quand tu relis tout, tu arrives à quoi? Tu arrives à l'unité. Et l'unité, c'est le tawhid. Et tawhid, c'est Dieu. L'islam, c'est la religion du lien. Elle lie l'invisible avec le visible. Elle lie le sentiment avec la raison. Elle lie le conscient et l'inconscient. Elle passe tout l'islam, c'est le lien. Le pauvre et le riche, le gouvernant et le gouverné.
tout l'islam, la zakat, c'est quoi? C'est le lien entre le pauvre et le riche, c'est ça. La shura, c'est quoi? C'est le lien entre le gouvernant et le gouverné. Et Allah nous demande quoi, de quoi faire? De refaire le lien. Ces sociétés nous cassent le lien. Elles remplacent ce lien-là par un rapport marchand. Et le développement personnel, elle est dans cette logique. Après, pour répondre à la question, notre question, c'est, on n'est pas des extrémistes, voilà, c'est plutôt ça. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas la tête d'un vrai radical. Ouais, faut se méfier. On n'est pas des extrémistes, on ne va pas commencer à tout rejeter. Quand c'est positif que ça peut ramener quelque chose, même si c'est dans un cadre d'un système qu'on doit critiquer, pourquoi pas? Même si c'est un cadre de développement personnel, pourquoi pas? Et comme disait Hakim, c'est bien, il faut travailler en association. Si un imam peut s'associer avec une personne qui est compétente dans ce qu'il fait, pourquoi pas? Si on peut associer les différentes compétences, il faut le faire. Mais il faut se dire que le fond du problème, il est bien au-delà de ça. Et qu'actuellement, on est en train de nous bassiner avec des méthodologies, on est en train de nous bassiner avec des techniques pour faire en sorte qu'on ne réfléchisse pas au fond. Et le fond, c'est le sens. Et quand je disais qu'il n'y a pas de voix... Tu me facilites la tâche. Vas-y. Dans le sens, pour faire un semblant de synthèse, on a besoin peut-être de travailler et répondre partiellement à ta question. Il faudrait penser à des solutions alternatives. Ils existent, mais il faudrait commencer déjà par s'appuyer sur les compétences existantes. Il y a des compétences. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser, mais la valorisation doit passer ni par l'aliénation doctrinale, je vais choquer peut-être, c'est-à-dire on a un problème aussi au niveau des compétences, des obédiences. Il faudrait ouvrir davantage, travailler entre associations, travailler entre compétences pour avancer sur des questions comme ça. La société est la société que Dieu a voulu, si on veut être sur un registre de croyance. Donc, ce va-et-vient sociétal, il est là, il va rester tout le temps. La question, qu'est-ce que moi, je vais apporter à moi-même et aux humains? Qu'est-ce que tu vas apporter? Si je suis omnibulé par le fait d'un gain, d'un intérêt personnel, si je suis sur un registre de cupidité, je vais suivre une voie. Si je suis sur un registre de partager la connaissance que j'ai avec mes semblables, dans une association musulmane ou non musulmane, tant mieux. Donc, j'ai presque envie de revenir à un des points que Emine a survolé, mais qui était central, c'est que l'islam, à la fois travaille sur l'individuel et le collectif. Notre problème à nous, c'est que ce qu'on doit travailler individuellement, on va le faire collectivement, et ce qu'on doit travailler collectivement, on le fait individuellement. On a inversé les choses. Et vous prenez n'importe quelle problématique, il faut déconstruire cette représentation, recommencer à la revoir. La déconstruire, ça ne veut pas dire déconstruire ce qui marche, mais déconstruire notre rapport à cette question-là. Le travail sur soi commence par soi. Vous avez deux registres. Soit j'ai une problématique psychologique, je vais voir un psychothérapeute ou un psy, ou un... ça peut arriver. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ou bien... j'ai un semblant de parcours accidenté et qui n'a pas eu un parcours accidenté. Les phénomènes de mode qui vont revenir, parce qu'à un moment donné, on a parlé de la résilience. La résilience, le concept existe depuis 1950, hein, développé en 70. Et puis, vous allez dans les librairies, vous allez voir que résilience. Mais la résilience, c'est quoi? Vous avez des auteurs musulmans, traduits maintenant, alhamdoulilah, quand vous prenez le Muhasibi, qui est considéré comme un des fins et grands psychologues, lisez, vous allez comprendre, vous allez voir. Hein? Vous allez voir que presque on a envie de dire que les recherches actuelles, hors neuro et tout, ils ont copié le Muhasibi. C'est un travail sur soi. Donc j'ai envie de dire le travail sur soi se fait en soi, avec soi, dans un premier temps, dans une logique d'effort. Nous avons, nous, musulmans croyants, rompu avec la culture de l'effort. On veut tout. Il y a des gens qui vont faire le développement personnel. Je veux arriver vite. Hein? Ah, tu veux arriver vite? Eh bien, tu vas te casser la gueule. Désolé de vous le dire comme ça. C'est simple. On a vu des PDG chialer dans un bureau en disant j'arrive pas à faire quoi.
Prozac, tous les comprimés existants, ils les avalent. Vous devez savoir, et on peut le faire après dans notre débat, qu'il y a des maladies qui sont... La Ritaline a été créée avant la maladie. Et on est allé chercher, hein, lisez le DSM, Roi. C'est un très bon livre. DSM, c'est le manuel de classification des maladies, psychiatriques et autres. Mais comment il est devenu roi? Écrit par un psychiatre qui critique comment des lobbies pharmaceutiques aux États-Unis, ils ont créé des médicaments avant de créer le phénomène. Et vous, vous ramenez votre gamin parce qu'il bouge bien et tout ça, chez un médecin, vous dites, oh, ou la maîtresse, oula, il est super actif, oh, il est agité, ah, c'est grave, ah, vous savez, il faut qu'il consulte le gamin. Vous n'avez aucune notion, il va consulter le gamin. Et vous risquez de tomber sur un mauvais médecin, ça existe. C'est pas moi qui le dis, c'est le conseil d'ordre, de l'ordre. Et il va lui prescrire la Ritaline. Vous allez bousiller votre gamin. Ah. Donc, là, je rejoins totalement Yamine sur la question, on se donne plus la peine de réfléchir. Il y a un système qui est posé, c'est pas l'antisystème, c'est pas le complot, mais quelle est ma propre responsabilité dans ce qui m'arrive, tout en croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bienveillant. Il ne houlouait doute, l'aimant. Il m'aime, il aime mon parcours. Mais il veut que je fasse un effort. Si on renoue avec l'effort, on va peut-être être aussi dans des registres alternatifs, dans des solutions sur un titre personnel. Puis quand on va rencontrer une personne, on peut construire avec elle, on peut patienter, on peut. Et quand on a des gamins, on peut peut-être essayer de les éduquer. C'est pas facile. Parce que quand vous avez maintenant un décret qui permet à des infirmières de donner la pilule du lendemain sans passer par un médecin ni rien, pour des mineurs. C'est une société qu'on oriente. On oriente la société. Je ne suis pas en train de vous dire, moi, pour moi, une gamine, elle fait ce qu'elle veut. Si elle est mal éduquée, ce n'est pas son problème. Il y a un parcours. Mais maintenant, tu n'éduques plus. Il y a un texte de 48 qui dit, l'enfant est l'enfant de la République. Toi, tu n'es que géniteur. Donc, il y a une conception de société. Soit on se dit c'est notre société et on participe, soit on reste à pleurer entre nous. Et ça, moi j'ai cessé de pleurer il y a longtemps. J'ai déjà des petits yeux, il ne faut pas pleurer. Donc il nous reste encore 5 minutes si quelqu'un veut intervenir. Est-ce que vous voulez rebondir sur ces interventions ou pas? Ouais. En fait, je suis pas. Donc, on va dépersonnaliser un peu, comme ce qu'on disait au début. Si je dépersonnalise le débat, donc sans pour autant viser des intervenants, en fait, je reste. Pour l'instant, je suis pas encore convaincu que le développement personnel aujourd'hui a une perspective sur ce qu'on a à faire pour trouver des solutions. En fait, ce qui me pose problème, c'est que je pense que fondamentalement, malgré le fait qu'on a besoin de développer certaines attitudes et que le développement personnel va révéler des émotions intérieures qui vont nous permettre de pouvoir, on va dire, se réformer et se connaître soi-même pour trouver un équilibre, malgré cet aspect-là que je trouve très positif, je trouve que cet aspect n'est pas mis en perspective avec des vraies solutions qui vont aller vers un apaisement, on va dire, de la personne. Pourquoi? Parce que, un, je trouve que la solution fondamentale que développe, on va dire, le développement personnel, pour la répétition, c'est qu'il nous dit que la solution est en vous. Et c'est ce qu'il expliquait le premier intervenant de la vidéo. Et ça, c'est vraiment un problème. Le fait de faire croire au final à la personne, à la sortie par exemple de cabinet, qu'il peut trouver le personnel, la solution en lui, pour moi c'est un problème. Puisque si on fait référence à un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ayyuhannas antumul fuqara ilallah » vous les gens, vous êtes les indigents qui ont besoin de Dieu. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, peu importe l'effort qu'on va fournir, puisque vous avez parlé beaucoup d'efforts, et cet effort-là, elle n'est pas la réussite.
elle doit être mise, elle doit être en tout cas prise dans une mesure avec l'humilité, voilà, qui permet de s'en remettre complètement à Dieu. Et donc l'autre chose, c'est par exemple, vous parlez du stress. Le développement personnel peut nous permettre de gérer le stress. Mais si on va dans quelque chose de plus profond, quand on parle d'outils, la tradition du prophète aussi développe des outils. Et aujourd'hui, est-ce qu'on met une hiérarchie ou pas? Il y a une hiérarchie. Voilà, je ne suis pas en train de dire ce discours facile qui fait dire toutes les solutions sont dans l'islam, etc. Oui, il faut se connaître. Et se connaître, c'est aussi une voie. Et ça aussi, c'est la voie du prophète, je pense. Si on prend une autre voie, je pense que ça peut être dangereux. Voilà. Juste une précision, l'effort n'était pas... L'effort pour moi englobe le développement personnel. N'est pas un trait du développement personnel. Pour repréciser mon propos, et ça, dans la tradition d'un croyant, si on prend juste la prière du Fajr, on voit comment elle se déplace dans le temps et comment notre corps, notre esprit s'habitue à se réveiller à des heures. Donc c'est cette culture-là. L'islam, c'est une culture de l'effort. Ce n'est pas développement personnel qui est une culture de l'effort. L'islam apprend à travailler sur soi, travailler avec l'autre. Et c'est ça ce qui est extrêmement intéressant. Parce que le maillage relationnel est aussi une des réussites d'une société. Et c'est ce qu'ils essayent de couper en poussant les gens à ne pas réfléchir et penser que la solution est segmentée. Or, l'islam apporte une solution, je n'aime pas le terme global, mais sur tous les secteurs de la vie. Donc, un outil qui peut nous aider, pourquoi pas, mais la solution, je pense, elle est ailleurs. Je voulais juste dire un petit mot par rapport à ma question tout à l'heure. Quelles sont les alternatives? En réalité, c'est... Subhanallah, moi ce que je constate, c'est que malgré qu'on n'a pas des sages autour de nous, malgré qu'on n'a pas des vrais appuis, alors qu'il y a un réel potentiel, je vois par exemple à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était des croyants, était une minorité, une micro-minorité à la Mecque, mais Dieu sait comment ils ont pu tenir toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Et si je mets en aujourd'hui un petit peu dans notre contexte, un petit peu contre le. On nous attaque de toutes parts et on a tendance très facilement à se mettre à l'écart de la société, c'est parce qu'il n'y a pas cette unité-là. C'est-à-dire que on va faire appel à des professionnels alors que normalement, sur réconfort, si j'ai envie de pleurer, je pourrais pleurer vers mon frère. Si j'ai quelque chose à demander, à un appui, je pourrais facilement demander à mon frère ou à ma mère ou à ma soeur. Et là, c'est là où je parle d'alternative, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans une grande salle, on peut être dans une grande mosquée, mais l'unité, elle n'y est pas. Alors, on est seul, malgré le... Pourtant, on est dans un lieu de tout, on est dans une mosquée. Et c'est là où il y a une réelle frustration, et c'est là où, effectivement, on dit, je vais consulter, je vais voir, alors que normalement, notre éthique islamique, on a des supports. Écrit, on a l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était aussi des histoires vécues, mais nous aujourd'hui on a besoin de ces repères, des gens qui nous guident et qui parfois même pas, on n'a même pas besoin de poser de questions, c'est juste à les observer, des modèles de quiétude, des modèles de voilà, et ça c'est la grosse carence que je trouve, c'est ça. Dans la communauté, on n'arrive pas, quand tout à l'heure le frère il me disait, tu me dis mon frère, mais réellement, est-ce que c'est ton frère? Voilà. C'est quelque problème. Chose que chacun d'entre nous doit méditer, c'est certain. Donc on va conclure sur ça. N'oubliez pas qu'à côté il y a une buvette et que vous êtes tous conviés à consommer un maximum. Sans modération. Donc on va faire la doua, de conclusion. Alhamdulillah,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.